Bienvenue dans cette troisième prophétie. Regarde ma belle Kish Lorraine. Faites si hein. Bienvenue dans cette nouvelle prophétie du mercredi. Mercredi, c'est en do. Là, ça fait sol, la si. Oh, oh. Bon, alors, de par Dieu. Ben, de par Dieu, c'est de par Dieu. J'ai besoin d'un ailleurs, je vais vers la vie. La beauté fait peur, la vérité fait peur. C'est pas mal, allez. Ça aussi. Donc, filmé par mon 6PO18, voici la pierre angulaire par laquelle je ferai mon église. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de matos. Bon, ben maintenant, il y en a. J'ai encore plein de trucs à dire. Et là, ben, je dois aller à la gymnastique dans 20 minutes. Je préfère faire de la gymnastique de la tête aujourd'hui. Peut-être que je les rejoindrai au temps de parole. C'est donc sympa. Ça, c'est une vraie connerie, Halloween. Voilà, il y a ma guitare aussi, c'est ma pierre angulaire. En fait, tous les morceaux que je fais... Je vais retirer le lit un petit peu, ben, le pousser au du mur, mais maintenant le mur est tout jusqu'à tout. Bah, ça fait longtemps. Le mur est tout pourri. Ça fait longtemps. Et le troisième jour, il leur dit... Si tout le monde buvait un bon coup et fumait un beau pétard, il y aurait la paix sur terre. La fraternité, c'est partager. Tu bois et tu partages le pain, non? Puis tu bois un bon coup, parce que le Seigneur, il a dit, buvez, c'est mon sang. Ça ouvre les 90% du cerveau qui sert à rien. Moi, si je passe devant un tribunal maintenant, je peux dire en mon âme, conscience et subconscience. Parce que le disque mou, il est branché. Pourquoi on dit des spiritueux? Pourquoi on vous fait croire que vous êtes malade parce que vous picolez? C'est l'inverse. Moi, je veux des élections planétaires. La première loi, c'était le TPU. Ça fait 10 ans que je l'écris. C'est le début de Téléternel. Je suis quand même Chris Denis, chef d'état d'âme, garagiste de l'âme. L'astrologie, l'astronomie, et puis l'alcoolologie. Ben, je suis chef. Ça permet de traverser l'espace-temps. C'est quand tu dors. Et les trois tortues, ça avance doucement. Les trois éléphants, ça avance doucement. C'est les monothéistes. Mais dans la trilogie de quintessence, c'est pas pareil. Je rajoute les bouddhistes et puis tous les machins. Il y a plein de trucs. Le tibétain, les chinois, les ceci, les cela. Puis là, c'est Corinne de téléphone. Puis là, c'est moi quand je suis petit. Puis là, c'est ma soeur. Je trouve qu'on était beaux. Là, j'ai 11 ans. Il faut être l'acteur de sa vie, il faut penser par soi-même. La pollution électromagnétique, ça conditionne. Vous êtes des conditionnés. Le papier de l'église, il était bien. Puis le papier de Notre-Dame du Vœu pour la Toussaint, il était impeccable. Et le troisième jour, il leur dit, le mercredi, c'est en dos. Ça me gratte le dos. Ça me gratte le bios. On ne peut plus vous laisser faire, on ne peut plus vous laisser faire. Je veux pas, ça fait des petites pluies, ça fait des petits feux, ça fait des petits tremblements de terre, ça fait des petits tsunamis. La troisième loi,
Troisième jour, je veux un rapport complet sur le polygone de Cura, sur l'11 septembre, sur le projet ARP, et sur qu'on n'a pas marché sur la Lune en 69. Je veux des vrais rapports complets. Quelle éternelle crise de Nice, tout attaché en minuscules, @gmail.com. C'est pour envoyer à l'aérobase, justement. La vie est une science-fiction. Et la survie, putain, si t'as pas l'espoir, tu peux pas. C'est quand même une humanité à sauver. Pas facile. Voir le rôle de Chris Denis, tu crois quoi toi? D'ailleurs, je vais être l'avocat du curé. Sûr que c'est un troll ou que c'est un drone, celui-là, qui porte plainte, parce que... C'est tous les gens gentils qu'on casse tout le temps. C'est l'ostracisme dans l'œcuménisme. Contraire de l'inverse, du protocole, de l'oxymore, du paradoxe. C'est comme si il vous manque un courant. Et Jérémy se leva et dit, j'ai remis le courant. C'est comme comment dire. Vous êtes tous bipolaires, triphasés en continu, et il vous manque l'alternatif. On vous l'a débranché parce que c'est les néons qui l'absorbent. Et c'est dans le froid que tu comprends, c'est pas dans le luxe. Ouais, le chauffage c'est un luxe, l'eau chaude c'est un luxe, tout est un luxe. Aujourd'hui j'ai du tabac. En bas, devant le vélo blanc, devant mon téléternel du lampadaire, il avait acheté un vélo blanc et le mec il est parti, il a pris des herbes, je sais pas, de la menthe et du basilic, et il avait deux gros sacs. Il était garé juste sur le téléternel. Le deuxième. Prophétie 1, et puis hier, c'était le mardi, alors ça faisait le prof en si. On dira la prophétie. Pas compliqué. Et je crois que je ne vais pas aller à la gymnastique, parce que je vais faire de la gymnastique de la tête, de l'esprit. De par Dieu, c'est comme Dieu donnait. Ils sont simplement humains, ils peuvent être très cons, ils peuvent être très bourrés. Mais il y a une âme dans le bocal. Tu vois? Tout ça, c'est pour répondre à la question comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts. Vous cherchez tout à simplifier. Mais non. La télé, c'est le plus gros poison de l'homme. Et les médias. Les pubs, c'est carrément de la merde, c'est fait pour vendre, c'est de la merde. De toute façon, tout ce qui est fait pour vendre, ça, c'est ça la première juiverie. Pas pour rien. Ah, Kouchlag, il a chassé les marchands du temple. Venez pas faire du business dans mon royaume. Venez pas faire du business dans le mien. Comme ça, puis c'est tout. Moi, je vais manger de ma bonne quiche que j'ai fait hier. C'est du Don't Give Up. Peter Gabriel, et il y a Kate Bush qui l'a chanté. Il y a O'Connor, je crois qu'il y en a plein. Don't Give Up. Maintenant, on va rassembler les wagons du train. On va accorder tout le monde. Et le mercredi, c'est toujours des enfants du bon Dieu. C'est tout, c'est comme ça. Arrêtez d'être des histrions. C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Ça fait 10 ans. Donc la première loi, c'était le TPU, Trésor Public Universel, un petit peu pour tout le monde. Chaque pays, chaque État, faut développer un peu. Il compte sa richesse et il aide les pays les plus pauvres. Il y a de quoi manger pour tout le monde, il y a de quoi faire, il y a du travail pour tout le monde. Regarde les fourmis, ils ont tout du boulot, ils n'ont pas de fiche de paie. Tu divises, je sais pas, dans ta ville, pas le maire, il sert à ça, ou hop, tu divises là.
limite à la journée. Tu dois bien avoir un chiffre par jour que tu divises par le nombre d'habitants. Et tu retiens, je sais pas moi, un tiers. Si Jésus il est mort à 33, de toute façon Jésus ça veut dire je suis. Comme je m'appelle Christophe, je suis Christ on. Comme ça. La gymnastique de l'esprit là. Mais je serais bien allé ou j'irais pour le temps de parole. Il est déjà là demi. C'est le 13h30, à l'instant où je vous parle, en direct de l'instant où je vous parle, ABC, prophétie 3 de la journée, il doit pleuvoir et tout, et il fait beau. De toute façon, hier, j'ai dit, s'il pleut, j'y vais pas, s'il fait beau, j'y vais. Moi, je sais pas si j'y vais. Moi j'ai encore 10 minutes pour me décider, mais j'ai pas mangé. Je sais pas.